Rack. Bovinalp, c'est une boîte familiale. Donc, mon papa l'a créée il y a 35 ans aujourd'hui avec mon grand-père. Donc, on est tous aujourd'hui dedans, même avec mon frère. Donc, boîte familiale qui retraite des fumiers de moutons issus de bergeries locales, donc autour de Sisteron, autour de notre usine. On va travailler pour les composter, les faire maturer et en faire par la suite un petit bouchon que l'on va ramener directement au sol pour nourrir les plantes, donc toutes les plantes pérennes, vignes, arboriculture et maraîchage. Déjà parce qu'il y a un côté très nature, le fait d'être en contact au départ pour la matière première avec les bergers, les bergeries, la manière de la récupérer, etc. C'est ce que j'aime dans mon métier, c'est l'ouverture, l'extérieur et l'échange avec les gens. Je fais toujours le rapprochement avec le sport. Au fond de moi, c'est la victoire avant tout, donc c'est d'arriver au bout d'un objectif. Quand ils sont atteints à la fin de la semaine, ben, je suis content, ça me ravit, quoi. Depuis 3 ans, on a ouvert l'export, mais l'export limitrophe à la France, donc Angleterre, Suisse, Italie, sur lequel on fait du vrai développement et qui a fortement progressé sur ces 3 dernières années. Aujourd'hui, ça représente quasiment 1,5 million d'euros. Donc oui, ça commence à avoir une vraie importance. Nos équipes ne peuvent pas constamment travailler dans des usines sales. Donc on a mis des systèmes d'aspiration de poussière pour leur permettre de vivre dans un cadre de vie plus propre, plus serein, plus sain. Et ça nous a aussi permis de mettre des panneaux photovoltaïques sur tous nos toits. Nos futurs camions seront en biocarburant. On est en train de travailler sur une nouvelle plateforme avec les nouvelles réglementations européennes qui va lui permettre aussi de s'autogérer toute seule et donc de récupérer de manière naturelle l'ensemble des jus. Donc c'est aussi l'objectif de demain, c'est valoriser une matière, mais la valoriser de manière naturelle. C'est le projet. Ouais. C'est le partage et l'échange avec les autres personnes qui sont en haut potentiel. Et cette capacité d'être dans d'autres métiers, totalement différents du nôtre, mais de trouver des rapprochements et des solutions aux différentes problématiques qu'on peut avoir sur des points précis qui nous permettent à nous aussi d'avancer. Être capable de se remettre constamment en question et de transformer une faiblesse en opportunité. Ça, c'est la force d'un chef d'entreprise, et c'est aussi son humilité qui lui permet d'avoir cette réflexion-là. D'avoir les dents longues, c'est-à-dire que s'il a un objectif, c'est de se donner les moyens d'aller jusqu'au bout. Même quand c'est dur, même quand c'est fatigant, il faut rester focus sur ce qu'on a envie d'être demain. Le problème du super-héros, pour moi, c'est qu'il a tendance à vouloir sauver le monde tout seul. Je joue au rugby, et au rugby, on est incapable de faire quelque chose tout seul. On peut avoir traversé un terrain à un moment, une fois. Mais ça arrive une fois, de temps en temps. Je ne m'identifie pas réellement à un super-héros, mais plutôt à une équipe globale.